Bonjour à toutes et à tous. On va démarrer dans quelques instants. On va laisser le temps aux personnes d'entrer dans la salle et on va commencer très bientôt. Je suis un petit peu en avance, donc on va se laisser 1 ou 2 minutes pour que tout le monde arrive à cette séance d'information pour avoir des renseignements pour étudier au Québec. Donc voici, à tout de suite.
Encore une fois, bonjour à toutes et à tous. On va démarrer dans quelques petites secondes, le temps de laisser rentrer tout le monde dans la salle et de permettre à tout le monde d'arriver et d'écouter cette séance d'information en direct. J'espère que vous allez bien. Je vais juste vérifier au niveau du son. Sinon, vous pouvez m'écrire, je pense, dans le chat pour savoir si vous m'entendez et que tout est correct de votre part. Je vais juste aller vérifier que mon son est correct. Bonjour à toutes et à tous, ne vous inquiétez pas, on va démarrer dans une petite minute, le temps que tout le monde arrive dans la salle. Donc, je suis à vous dans 30 petites secondes. J'ai assez gens en train d'arriver. Je suis donc à vous. S'il y a quoi que ce soit, je pense que vous pouvez m'écrire dans le chat. Sinon, je vais aller vérifier aussi que vous pouvez m'écrire dans le chat. On va juste... Voilà. Donc, encore une fois, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans cette séance d'information pour avoir des renseignements pour étudier au Québec. Je m'appelle Sylvie Bizou, je suis directrice du mandat des étudiants internationaux chez Québec International. Et je suis donc, merci beaucoup, vous avez été nombreux à vous inscrire à cette séance d'information. Vous êtes une quarantaine de personnes actuellement dans la salle, donc ravie de vous accueillir, merci. Aujourd'hui, l'objectif de cette séance d'information, c'est vraiment de vous donner quelques astuces et quelques indices sur la préparation de votre projet d'études au Québec. Quels sont les avantages et les intérêts de venir étudier au Québec, mais aussi ce à quoi vous devez être attentif afin de préparer au mieux votre projet d'études. Cette séance devrait durer entre 1 heure et 1 heure 30. Et encore une fois, si vous avez accès au chat, vous aurez accès à des questions, mais j'ai comme le sentiment que vous avez plus accès au chat aujourd'hui. Donc, n'hésitez pas, je vous donnerai notre adresse courriel à la fin de cette séance d'information pour pouvoir nous écrire si vous avez d'autres questions. Donc, très rapidement, un petit ordre du jour. Déjà, vous dire qui on est, nous, Québec International. Pourquoi choisir de venir vivre au Québec? Pourquoi choisir de venir étudier plus spécifiquement au Québec? Quels sont les établissements qui participent actuellement à une initiative avec Québec International? Et vous expliquer un petit peu notre plateforme de candidature, comment ça se passe. Donc voilà, très rapidement, je ne vais pas m'étaler dessus, mais qui on est, nous, Québec International. Donc on est l'agence de développement économique de la ville de Québec et de ses environs. On est financé par des fonds publics qui nous permettent de proposer des services gratuits aux candidats. Et puis j'insiste là-dessus, c'est que toutes nos activités à destination des candidats, que vous soyez à l'international ou ici au Québec, sont gratuites. Donc, si on vient de la part de Québec International ou de Québec en tête, qui est notre plateforme d'information, et qu'on vous demande de payer des frais, déjà, c'est que ce n'est pas nous, fuyez. OK? Parce qu'aucun arrangement, aucune demande financière ne vous sera faite. Donc, comme dit, on est responsable de la plateforme Québec en tête, qui est notre site Internet et qui est aussi une plateforme de candidature. Notre mission à nous, l'équipe Attraction de talent, on a plusieurs mandats chez Québec International, mais un des mandats, c'est d'accompagner les établissements d'enseignement pour les aider à attirer des étudiants internationaux au niveau technique, professionnel ou universitaire. Et une fois que vous êtes arrivé sur place au Québec, de vous aider aussi pour votre intégration professionnelle. Donc, notre mission, c'est
effectivement d'attirer des étudiants, mais aussi d'attirer des travailleurs spécialisés et puis d'en assurer la rétention une fois que vous êtes arrivé sur place. Plus spécifiquement, les deux régions sur lesquelles on travaille, c'est Capitale-Nationale et Chaudière-Appalaches, mais vous verrez qu'on a des établissements qui viennent d'ailleurs dans la province. Québec en tête, c'est notre portail d'information, je vous en ai parlé juste un petit peu avant, qui est destiné à vous orienter, à informer les personnes qui ont un projet d'établissement au Canada, ainsi que les nouveaux arrivants dans la ville de Québec ou dans ses environs, pour les appuyer dans leur démarche d'installation ou d'intégration socio-professionnelle. Vous y trouverez un espace conseil très intéressant, beaucoup d'informations qui sont pertinentes pour vous préparer dans votre projet d'études en particulier, mais dans votre projet d'immigration, c'est un vrai projet sur du long terme, donc il faut vraiment que vous preniez le temps de vous renseigner et d'aller chercher un maximum d'informations. Petite vue juste sur la page Étudier à Québec qui va vous concerner un peu plus. Donc, n'hésitez pas à aller sur québecentête.com. Vous allez trouver beaucoup d'informations au sujet. Pourquoi choisir de venir vivre au Québec? Donc, petite présentation géographique, je vais dire. Donc, le Canada est un très, très grand pays et le Québec est la plus grande province du Canada et du Québec. Et Québec, la ville de Québec, c'est la capitale de la province. Vous voyez déjà, il y a un petit enjeu quand on est immigrant comme moi, je l'ai été. Et je le suis toujours d'ailleurs. Le Québec, c'est la province. Et Québec, c'est la ville aussi, la capitale de cette province. Donc, soit on va au Québec, on va dans la province, soit on va à Québec et on va dans la ville de Québec. Et vous voyez, la province de Québec, c'est tout ce qui est en bleu ici. Et la ville de Québec est située ici au bord du fleuve Saint-Laurent. Montréal va être par ici. Vous allez voir qu'on a des établissements par ici en Abitibi, par ici à Sherbrooke, par ici à Tête-Fort-Nine, plus proche de la frontière américaine qui est vraiment située tout ici de ce côté-là. La ville de Québec donc et la ville de Montréal sont vraiment situées au sud de la province. Québec-Montréal, c'est environ 2 h 30 de voiture. Et Québec, c'est environ 4 h de la frontière américaine du Maine, mais ça peut être 1 heure de la frontière américaine par ici, donc juste là. 4 heures d'Ottawa, c'est entre 4 et 8 heures des chutes du Niagara ou New York en voiture, dépendamment de où vous habitez. Pensez à bien vérifier en fonction des établissements que vous allez cibler ou des villes que vous avez ciblées, où se situe justement cet établissement, parce qu'on entend régulièrement des jeunes qui nous disent pardon. Ben moi, j'ai de la famille qui habite à Montréal, je vais aller étudier à Québec ou en Abitibi. Et puis, tous les soirs, je vais faire l'aller-retour. Non, c'est juste pas possible ici au Québec. Les distances et les durées de trajet ne sont pas possibles pour faire ce trajet-là tous les soirs. Donc, pensez à bien regarder avant et de valider si vous avez de la famille ou des amis, ben, si vous voulez être proche d'eux, de regarder des établissements qui sont proches de votre famille ou de vos amis. Ensuite, si je prends comme exemple la ville de Québec, juste pour vous situer, donc le Canada, c'est 37 millions d'habitants. Je pense qu'on est plus proche des 37 millions maintenant, c'est 36,9. La province de Québec, c'est 8,4 millions d'habitants. C'est la deuxième province au niveau du nombre des habitants, la plus grande province au niveau superficie, mais la deuxième au niveau du nombre d'habitants. Comme vous pouvez le voir sur la carte et comme vous le savez déjà sûrement, le Canada, c'est un immense pays, mais avec un taux de population au mètre carré ou au pied carré, comme on dit ici, qui est très faible. La plupart des villes québécoises se situent au niveau de la frontière américaine. Donc, c'est la seule province francophone au pays. Point important, c'est la langue principale et officielle du Québec, c'est le français. Et c'est pour ça que si vous venez étudier au Québec, on vous demande un certain niveau de français. C'est vraiment un des critères de préqualification des établissements. Votre niveau et votre maîtrise du français pour venir étudier ici sont vraiment des éléments prépondérants à prendre en compte pour la réussite de vos études. Vous allez donc étudier en français, vivre en français, mais avec une culture nord-américaine vraiment présente. Toutefois, le cœur de la main-d'œuvre en emploi parle majoritairement français, mais aussi anglais. C'est donc important de savoir, encore une fois, où vous allez, où vous voulez aller, et puis de voir les distances et les trajets, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Le simple fait de ne pas vous être renseigné sur ce sujet-là, sur ces points dont je viens de vous parler, ça peut vraiment être un facteur de déception quand vous allez arriver ici, quand vous allez démarrer votre projet d'études. Donc, merci pour ça. Choisir de s'installer à Québec, c'est choisir un faible coût de la vie en comparaison des autres grandes villes d'Amérique du Nord, même voire d'autres grandes villes ici au Canada. C'est choisir une qualité de vie qui est vraiment sécuritaire. Je pense que beaucoup de personnes viennent effectivement au Québec parce que
On sait qu'il y a très peu de risques pour nos enfants, pour nous-mêmes, quelle que soit notre origine, notre nationalité, notre sexe, etc. Donc, c'est vraiment un point important. C'est une charge mentale vraiment moindre pour nous, par exemple, maman. Il y a beaucoup de diversité culturelle, donc c'est sûr que vous allez forcément trouver des personnes de votre nationalité ou de... Oups, je m'excuse. La lumière s'est éteinte. Il y a vraiment de nombreux emplois diversifiés avec d'excellentes perspectives d'emploi. Une économie qui est vraiment diversifiée, un enseignement de haut niveau. Vous allez voir de nombreuses pistes cyclables partout avec des gens qui courent, des gens qui font du vélo. Donc, vraiment une vie culturelle et sportive très dynamique. On en reparlera un petit peu après. Un enseignement de haut niveau, des moyens de transport qui sont efficaces et variés, hein. On a du bus, on a du train, on a des traversiers. Puis le vélo, encore une fois, pendant 7-8 mois dans l'année possible. Et beaucoup plus encore, Québec, c'est vraiment une vie, la province de Québec, c'est vraiment une province où il fait bon vivre. Je vous parle très rapidement du climat, parce que c'est sûr que beaucoup de gens parlent de Québec et de l'hiver au Québec. Souvent, on dit qu'il faut profiter de l'hiver, il faut faire des activités pour que... On puisse vraiment profiter de l'hiver. Moi, je trouve que c'est une très, très belle saison l'hiver et qu'on a justement la possibilité de voir des couleurs blanches immaculées quand il neige. Donc, n'hésitez pas à sortir. Il ne faut pas rester chez soi. Il faut faire des activités extérieures. Il y a plein de choses qui sont possibles en hiver de faire, qui sont gratuites effectivement aussi. Donc, n'hésitez pas. L'automne, avec ses couleurs, forcément, c'est super agréable et c'est magnifique à voir. Et puis, l'été et le printemps, ce sont des périodes où il fait chaud et bon vivre dehors. La nature, ben, elle est présente un peu partout au Québec. Donc, comme dit, il y a des lacs, il y a des forêts, il y a des montagnes, il y a des circuits de randonnée vraiment partout. Donc, n'hésitez pas à en profiter, ça vaut vraiment le coup. Mais encore une fois, que ce soit en hiver, en été, au printemps ou à l'automne, toutes les saisons sont bonnes pour profiter de l'extérieur. Et puis, on a une province vraiment culturelle. Qui vibre vraiment avec des saisons de spectacles, la présence de nombreux musées, des théâtres qui offrent une programmation variée de qualité. Puis il y a vraiment beaucoup d'événements au fil des saisons. Il y a le Carnaval de Québec, vous avez des feux d'artifice régulièrement tout au long de l'été, vous avez des festivals de bière, des festivals country. Donc sortez, vous allez pouvoir vous régaler quoi qu'il se passe ici au Québec. Ensuite, bien sûr, vous avez un projet d'études. Donc, pourquoi choisir de venir étudier au Québec, plus spécifiquement? Donc, sachez que, juste un petit comparatif des études dans un premier temps, sachez qu'au Québec, la formation obligatoire est composée de 11 années d'études, 6 années au primaire, comme vous pouvez le voir. Donc, on est vraiment en premier cycle, deuxième cycle, troisième cycle. 5 années au niveau secondaire. Le diplôme d'études secondaires donne accès à l'enseignement supérieur. Donc, c'est vraiment à partir de ce moment-là qu'on peut soit passer sur une formation professionnelle ou une formation collégiale avec des formations techniques ou préuniversitaires et ensuite à l'université. Le Cégep, c'est vraiment l'acronyme de Collège d'enseignement général et professionnel. C'est un établissement public, le Cégep, mais vous avez des établissements privés qu'on appelle les collèges. C'est vraiment le premier niveau d'enseignement supérieur. On va parler des différents programmes offerts dans les cégeps, que ce soit le DEC, diplôme d'études collégiales préuniversitaires, ou le DEC technique, ou des AEC, des attestations d'études collégiales, dépendamment de votre âge et si vous avez fini ou non les études dans votre pays d'origine. Vous allez pouvoir retrouver sur le site québecentête.com la comparaison du système scolaire québécois avec d'autres pays, le Maroc, la Tunisie, la France, l'Algérie, Madagascar, des pays Mexique, Brésil, Colombie. Donc, n'hésitez pas à aller sur notre site internet québecentête.com. Petit point sur l'éducation au Québec, c'est vraiment un excellent système d'éducation avec un réseau public et privé. Les frais de scolarité, encore une fois, sont parmi les plus bas en Amérique du Nord. Mais sachez que trois critères sont importants pour le gouvernement à aujourd'hui pour accepter que des étudiants internationaux viennent étudier chez nous. C'est d'étudier en région, plus spécifiquement hors de la grande région de Montréal, étudier en français et étudier dans des programmes qui sont ciblés par nos ministères pour combler des besoins de main-d'œuvre qui sont en rareté aujourd'hui au Québec.
Beaucoup d'étudiants nous demandent aussi si on va avoir des bourses, si c'est possible de faire des demandes de bourses. Sachez que oui, chaque établissement a des bourses disponibles. Vous avez des bourses aussi des fois dans vos pays. Mais il vaut mieux partir du principe que vous avez la capacité financière de payer vos études au coût actuel avant pour déposer votre dossier de demande de CAQ ou de demande de permis d'études, plutôt que de compter sur une bourse qui peut-être ne vous sera pas octroyée. Donc, et de plus avoir les moyens de payer une fois sur place. Donc, chaque établissement d'enseignement ou chaque ministère est le seul décideur des critères d'obtention. Donc, partez du principe que il faut que vous ayez la capacité financière de payer vos frais de scolarité et vos frais de subsistance et de démontrer tout ça au gouvernement quand vous allez faire vos demandes de certificat d'acceptation du Québec et de permis d'études. Les avantages d'étudier au Québec, j'ai envie de dire qu'il y a une vraie approche par compétence, avec des stages, des apprentissages vraiment très concrets. C'est très actif, c'est plus pratique, plus durable. C'est vraiment une pédagogie axée sur la pratique. Et puis, je vais vous raconter un exemple que je raconte fréquemment quand je fais des séances d'information. C'est que la première fois que mon fils est allé au secondaire et qu'il a eu son premier cours de sciences, ils ont fait une expérience où ils ont mélangé en chimie, je ne sais pas quelle matière ensemble. Et puis, ça fait une petite explosion. Et puis, il est rentré avec des yeux énormes ouverts. Alors que chez nous, en France, il avait une blouse qu'il n'avait pas utilisée pendant ses 3 ans de secondaire et qui était restée accrochée dans son placard. Donc, ça a été vraiment un exemple des plus frappants pour nous de dire, OK, c'est vraiment du concret. Là, je comprends pourquoi et à quoi amène cette expérience-là. Donc, quand je vous dis une approche par compétence, c'est très concrète, c'est vraiment ça. Les enfants vont gagner en indépendance, en autonomie, les étudiants aussi, parce que la pédagogie est axée sur de la participation, sur la responsabilisation des étudiants. On va vous demander du travail personnel beaucoup plus que du travail pendant les cours. Ça va aboutir forcément à un épanouissement personnel. Vous allez avoir une qualité d'enseignement avec des équipements de pointe et des infrastructures ultra modernes, en sachant que vous avez une approche collaborative aussi entre les professeurs et les étudiants. Ce qui veut dire que si vous avez une question, bah vous allez pouvoir la poser à votre professeur. Vous allez peut-être avoir son numéro de cellulaire à un moment donné. Mais ils sont disponibles pour vous, c'est-à-dire qu'ils ont des plages horaires tout au long de la journée pour vous recevoir et vous expliquer ce que vous n'avez pas compris. Donc ça, c'est vraiment une grande disponibilité des enseignants et un soutien aux étudiants qui est primordial. La pédagogie qui est utilisée ici au Québec, elle est vraiment en lien avec la demande sur le marché du travail. Donc elle est mise à jour régulièrement pour qu'elle soit adaptée aux demandes des entreprises avec lesquelles vous avez travaillé par la suite ou pour lesquelles vous avez travaillé par la suite. Souvent, vous avez une expérience de travail pendant vos études, que vous avez le droit en tant qu'étudiant international de travailler pendant vos études en plus de votre stage. Donc, ça vous donne une première expérience de travail sur le sol québécois. Et les taux de placement à la suite de vos études sont quand même très, très élevés. Donc, ça permet vraiment à la 80-90% des étudiants qui viennent étudier de trouver facilement un emploi après leur diplomation, dépendamment des domaines d'études dans lesquels vous allez faire vos études. Petit débrief sur les différents niveaux d'études qu'on a. Donc, vous avez les formations professionnelles. Ça, c'est le premier niveau qui est et qui en troisième secondaire, en fait, si on reprend le processus que je vous ai montré tout à l'heure, le comparatif des études, à partir de la troisième ou quatrième secondaire, vous allez pouvoir faire une demande de formation professionnelle si vous le souhaitez. Ça s'appelle des diplômes d'études professionnelles. Et il faut savoir que depuis quelques années, le Québec fait vraiment face à une demande accrue de main-d'œuvre dans de nombreux métiers, en particulier les métiers spécialisés. Donc, en suivant une formation professionnelle, c'est précisément à cette demande que vous pourrez répondre. Et ce, à des salaires souvent très intéressants. Au Québec, donc, la formation professionnelle est accessible, pardon, après plus de 10 années d'études. Et elle prépare le marché de l'emploi par l'apprentissage d'un métier spécialisé axé sur les besoins des entreprises. Donc, la durée de ces études va de 12 à 24 mois à temps plein. Ces formations sont généralement offertes dans un centre de formation professionnelle. Et elle mène à un diplôme d'études professionnelles, un DEP. La qualité des formations est vraiment reconnue mondialement. La formation est diplômante, valorisée sur le marché du travail. Encore une fois, on a beaucoup de demandes de main-d'œuvre dans ces domaines-là. Et elle est axée à 80% sur de la pratique et à 20% sur de la théorie. Elle a aussi comme avantage la formation professionnelle de permettre des entrées d'étudiants en continu, en plus des entrées régulières d'automne, en août et en septembre et d'hiver en janvier. Vous pouvez rentrer presque tous les mois dans certaines formations qui démarrent une cohorte à tous les mois.
Sachez que seuls les programmes de 6 mois et plus sont admissibles à l'obtention d'un permis d'études. Seuls les programmes de 8 mois et plus et de plus de 900 heures sont admissibles à un permis de travail post-diplôme qui va vous permettre de travailler par la suite ici avec un permis de travail ouvert. Donc, qui va vous permettre d'aller découvrir plusieurs employeurs si vous le souhaitez. Oups, pardon. J'ai avancé trop vite. C'était pas ça que je voulais faire. Voilà, souvent, vous allez voir qu'on va vous demander un niveau de français variable de B2 à C1. Certains centres de formation vont vous demander un test de français pour pouvoir valider votre niveau d'études et les droits de scolarité annuels moyens, excluant encore une fois des frais afférents à des équipements ou à des outillages. Pour les étudiants de nationalité française, c'est gratuit en vertu d'une entente qu'on a entre le Québec et la France. Puis pour les étudiants hors nationalité française, c'est entre 7 000 et 25 000 dollars canadiens. Et puis vous avez tous les domaines qui sont indiqués là sur la page ici, avec un taux de réussite de plus de 80% en diplôme de la formation professionnelle et qui amène vraiment avec un taux de placement derrière qui est vraiment très très intéressant. Les études collégiales, donc c'est le premier niveau d'enseignement, comme je vous disais tout à l'heure, après une secondaire 5 au collège ou au cégep. Ça offre des études supérieures techniques ou préuniversitaires. Donc technique, c'est des études de 3 ans. Préuniversitaire, c'est des études de 2 ans qui sont plus généralistes. Et technique, on est déjà sur la préparation au marché de l'emploi. Le DEC, donc, que vous allez préparer, c'est un diplôme d'études collégiales. C'est un diplôme d'État. Et souvent, dans les programmes d'études, vous avez 5 grands domaines. Ça mène au marché du travail, comme je vous le disais, mais vous pouvez aussi continuer à l'université par la suite. Vous avez souvent 5 grands domaines avec souvent des stages pratiques et ou la formule alternance travail-études, c'est-à-dire que vous allez faire par exemple 3 jours à l'école, au cégep, et puis 2 jours dans l'entreprise ou inversement. Dans les deux cas, que ce soit un DEC préuniversitaire ou un DEC technique, vous allez devoir passer une épreuve uniforme de français qui est nécessaire pour l'obtention de ce diplôme d'études collégiales. C'est une dissertation entre 4 et 5 heures qui fait 900 mots. Donc, c'est vraiment important d'avoir un niveau de français adéquat par rapport à ça, d'où l'intérêt de passer aussi un test de français qui est minimum B2 et que les établissements souvent vous demandent au niveau collégial. Il y a aussi au niveau des cégeps et des collèges, des AEC, donc des attestations d'études collégiales, qui sont des études plus courtes et qui amènent directement au marché de l'emploi. Souvent, c'est pour des personnes qui sont déjà sorties des études et qui veulent reprendre, qui sont en reconversion professionnelle et qui veulent reprendre des études. Donc, aujourd'hui, au Québec, vous avez plus de 7 300 étudiants internationaux au niveau collégial. Donc, vous voyez, vous n'allez pas être tout seul à faire des études au Québec. Je m'excuse, la lumière s'éteint dans ma petite salle. Donc, et vous avez les salaires qui sont proposés, le salaire moyen des diplômés des AEC. Sachez qu'au Québec, souvent, on est payé à la semaine ou aux 2 semaines. Donc, c'est pour ça qu'on vous a donné un salaire à la semaine ou aux 2 semaines. Les droits de scolarité, très rapidement, pour les étudiants français, c'est la même chose que pour des formations professionnelles. C'est gratuit en vertu de l'entente entre la France et le Québec. Pour les étudiants hors nationalité française, tout dépendamment encore des formations que vous allez choisir, ça peut être entre 12 000 et 25 000 dollars canadiens par an. Donc, vous avez quelques exemples qui sont disponibles actuellement sur notre page Québec en tête ou sur votre compte, mon compte Québec en tête, dont je vais vous parler après. Et puis, vous avez la liste de tous les établissements sur notre site Internet aussi Québec en tête qui proposent des formations. Sachez qu'il y a de nombreux collèges qui proposent des services aux étudiants internationaux pour les soutenir dans leur intégration et dans leur réussite scolaire. Donc, un encadrement pédagogique personnalisé. Des fois, ils vont vous donner de l'aide en francisation, des fois, ils vont vous donner de l'aide en informatique parce qu'on n'a pas toujours le même niveau. Donc, c'est vraiment important de ne pas hésiter à aller les voir et à leur demander si vous voyez des enjeux ou des soucis au niveau pédagogique. Beaucoup ont des résidences étudiantes aussi, des installations sportives qui sont gratuites pour les étudiants qui vivent sur le campus. Et puis, vous allez voir qu'ils organisent vraiment beaucoup d'activités socioculturelles et artistiques pour vous ou d'intégration. Les perspectives d'emploi pour les diplômes de la formation technique sont de plus en plus recherchées par les employeurs et on a vraiment de grands besoins dans les domaines ciblés par les études collégiales. Au niveau universitaire, l'enseignement universitaire, il faut savoir qu'il permet à ceux qui le souhaitent de développer une expertise qui sera très demandée aussi sur le marché de l'emploi. L'enseignement repose
sur une pédagogie nord-américaine qui privilégie la disponibilité du corps enseignant, l'interactivité et l'esprit critique. On va vous demander d'expliquer votre raisonnement, d'expliquer votre opinion. Et ils ne vont pas vous juger sur votre opinion, mais sur l'explication que vous avez donnée. Est-ce qu'elle est cohérente ou non? Donc, pour réaliser un programme d'études en entier, vous devez satisfaire aux conditions d'admission des différentes universités possibles, détenir forcément le diplôme minimal pour le niveau de formation visé, et encore une fois, démontrer une maîtrise suffisante du français. Teen Session, ici au Québec, à temps plein, ne comprend généralement que 15 heures de cours par semaine. Encore une fois, on va vous demander un important travail personnel, des travaux individuels, mais aussi collectifs qui sont notés et qui jalonnent l'année. Les cours, quant à eux, laissent souvent place à de l'interaction. C'est des lieux d'échange, de débat entre les étudiants et leurs professeurs. Au Québec, le système universitaire se divise en trois cycles. Donc, le premier cycle qui conduit au baccalauréat, c'est l'équivalent de la licence au niveau européen ou des fois en Afrique. Il représente une formation d'une durée de 3 ans à temps plein. Les études de baccalauréat mènent au marché du travail ou à la poursuite d'études au deuxième cycle. Des fois, ce sont des études de 4 ans qui sont l'équivalent des diplômes d'ingénieur. Donc, vous pouvez avoir des baccalauréats pour aboutir à des ordres professionnels. Donc, ça peut être les sciences infirmières, les avocats ou les ingénieurs, encore une fois, qui sont des études de 4 ans. Ensuite, vous avez un deuxième cycle universitaire. C'est vraiment une spécialisation dans un champ d'études ou une initiation à la recherche. Dans une ou plusieurs disciplines, il existe trois types de maîtrise. La maîtrise professionnelle, dite maîtrise sans mémoire, la maîtrise avec mémoire, qui est une maîtrise de recherche, ou le DESS, donc le diplôme d'études supérieures spécialisées. Une maîtrise, ça peut être 1 an ou 2 ans, dépendamment des maîtrises, le DESS dure 1 an. Puis enfin, vous avez le troisième cycle qui est possible aussi, qui exige l'obtention préalable d'une maîtrise avec mémoire, puis qui conduit au doctorat. C'est une formation d'une durée de 3 ans à temps plein et limitée vraiment à la recherche scientifique et prépare une carrière de chercheur. Et puis, vous avez une thèse obligatoire à la fin de ce troisième cycle. À l'université, l'année se divise en trois sessions, la session d'automne de septembre à décembre, la session d'hiver de janvier à avril et vous avez des sessions d'été de mai à août. Pareil, sur notre site internet, vous allez avoir de nombreux programmes d'études. Et puis sur mon compte Québec en tête, vous avez aussi des programmes d'études, mais en deuxième et troisième cycle actuellement uniquement. Donc, et puis vous avez vraiment de nombreux services pardon, qui sont mis à votre disposition, vous étudiants ou futurs étudiants internationaux, sur des résidences étudiantes, des infrastructures sportives, les transports en commun. Des fois, il y a la gratuité, les services de placement pour vous aider à trouver des stages ou les bureaux de la vie étudiante. Avec des personnes qui sont consultantes réglementées en immigration qui peuvent vous donner des informations pour vous aider dans vos démarches d'immigration. Si je résume, quelles sont les 10 raisons d'étudier au Québec? Ben, d'abord, c'est que vous avez vraiment énormément d'étudiants internationaux au Québec, plus de 120 000 dans la province de Québec. Donc, vous allez vous retrouver et vous allez forcément pas être, je vais dire, seul étudiant international. On reçoit de plus en plus d'étudiants internationaux, donc c'est sûr que ben, dans la masse, et puis vous avez dû entendre parler aussi que le Québec voulait resserrer le nombre de certificats d'acceptation du Québec ou de permis d'études, c'est exact. Mais encore une fois, à partir du moment où vous étudiez en français dans des programmes qui sont ciblés par des pénuries de main-d'œuvre hors de la région de Montréal, vous avez quand même très peu de chances d'être ciblé par les mesures que va mettre en place le gouvernement du Québec. On a un marché de l'emploi en pleine croissance, le taux de chômage le plus bas au Canada pour la province de Québec, 5,7% en août 2024. Puis on a plus de 175 000 postes vacants pour lesquels on cherche du personnel, soit pour des étudiants qui veulent travailler pendant leurs études, même si on conseille de ne pas travailler à temps plein en arrivant au Québec, déjà de se former et de s'intégrer et de voir comment on affine notre intégration dans les études. Donc, c'est vraiment pas difficile de se trouver un emploi. Et le salaire moyen en 2024 pour toute la province est de 51 000 dollars environ. Donc, il faut varier en fonction des différentes régions où vous pourriez atterrir et de l'établissement dans lequel vous êtes. Ça peut être plus ou moins haut en fonction de ça. C'est la première province au Canada pour l'intégration des immigrants sur le marché du travail. Pourquoi? Parce qu'on a vraiment une présence active de nombreux organismes en employabilité qui sont dédiés aux nouveaux arrivants. Donc, c'est pour ça qu'on est vraiment une province qui aide ces immigrants à trouver du travail ou ces étudiants internationaux qui sont
recherchent un premier emploi ou qui cherchent pendant leurs études ou pendant les vacances à travailler. Je vous l'ai dit, on a des infrastructures ultra modernes, les universités ou les établissements, que ce soit les centres de formation professionnelle ou les établissements de niveau collégial, font souvent des rénovations, achètent les meilleurs équipements dans le but d'être compétitifs et de donner vraiment les meilleurs outils d'apprentissage aux étudiants. La qualité de vie, je pense que je vous en ai parlé, c'est une ville sécuritaire, ce sont des villes sécuritaires, des conditions propices pour un équilibre travail, études, famille également. Pensez jusqu'à aujourd'hui, il y a certains domaines d'études ou programmes d'études qui ne permettent plus de faire venir des conjoints ou conjointes avec un permis de travail ouvert. Mais il y a des solutions aussi qu'on peut vous proposer lorsqu'on fait des missions de recrutement, nous, ou quand vous allez postuler pour des domaines d'études, des programmes d'études, où vous pouvez en discuter aussi avec vos établissements à ce moment-là, quand vous allez les rencontrer. Des installations sportives modernes, gratuites, ouvertes au plus grand nombre, c'est quelque chose qui nous a marqué, nous, avec ma famille, quand on est arrivé, en se disant, bah, oui, on a vraiment accès à un certain nombre d'installations pour pouvoir emmener nos enfants s'amuser en extérieur ou en intérieur et profiter pour faire du sport. Donc ça, c'est vraiment un des points positifs. Petit résumé pour venir étudier au Canada, très rapide parce que c'est pas le but de cette séance d'information et puis déjà vous êtes dans un processus. Est-ce que je suis intéressée pour venir étudier au Québec? C'est quoi les différentes démarches que je vais avoir à faire? Mais le premier point, c'est de choisir un programme qui vous intéresse. Donc, on va aller un peu plus précisément dans ces quels établissements qui vont participer à nos initiatives. Puis, une fois que vous avez choisi le programme, ben, regardez dans quel établissement il est disponible. Puis, où se situe cet établissement? Est-ce que la ville correspond à ce que vous attendez? Est-ce qu'elle propose des activités qui sont intéressantes pour vous? Est-ce que votre petite famille, si vous venez en famille, va s'intégrer plus facilement? Donc ça, c'est vraiment des premiers points qu'il faut que vous alliez regarder. Et puis, c'est à vous de vous renseigner là-dessus. Il n'y a personne d'autre que vous qui allez savoir si cette vie, cette qualité de vie, ce style de vie qu'on a dans chaque petit village ou dans chaque ville ici au Québec peut vous correspondre à vous personnellement. Une fois que vous avez obtenu une lettre d'admission d'un établissement d'enseignement, vous allez pouvoir faire votre certificat d'acceptation du MEPI, du Québec. Et ça, c'est fait par le MIFI. Donc, c'est le gouvernement du Québec qui gère cette demande-là et qui va approuver ou non votre certificat d'acceptation du Québec. Une fois que vous avez obtenu votre CAQ, vous allez pouvoir faire votre demande de permis d'études avec les données biométriques. Et ça, c'est le gouvernement fédéral, donc le Canada, qui va gérer ça. Donc, vous voyez, il y a deux niveaux successifs. Ben, il y en a même trois. Il y a l'établissement d'enseignement, il y a le Québec et le Canada par la suite. Donc, pensez à préparer tous vos documents pour pouvoir faire ça une fois que vous avez eu votre lettre d'admission d'un établissement. Mais pensez à vous renseigner vraiment en amont pour savoir quel programme vous choisissez, quel établissement vous choisissez. Il faut que vous démontriez que vous êtes motivé pour faire ce programme-là, que vous êtes. C'est quoi votre motivation intrinsèque? Pourquoi vous ne postulez pas sur tous les programmes d'études qui sont disponibles? Ne postulez pas à tous les établissements d'enseignement, ça ne sert à rien. L'objectif pour nous et pour l'établissement, c'est de voir que vous êtes vraiment motivé et que vous êtes renseigné sur l'établissement lui-même, sur la ville dans laquelle il est situé et sur le programme d'études qu'il propose et pourquoi de lui expliquer dans le profil que vous allez remplir. Et puis ça, on va en parler tout de suite après. Je vais rapidement vous présenter les quatre établissements qui participent actuellement à une initiative qu'on a sur notre site Internet et sur notre plateforme Mon compte Québec en tête. Donc le premier qui c'est le Cégep de l'Abitibi. Témiscamingue. Donc, si on se situe, vous avez Montréal ici, vous avez Québec de l'autre côté, puis l'Abitibi, c'est vraiment à 6 heures de Montréal. Donc, on est vraiment très, très loin de Montréal. Mais ça porte le nom d'une région. Et puis, c'est vraiment, elle est située au nord-ouest de la province. C'est le paradis des lacs et de l'épinette noire, l'Abitibi. Donc, c'est vraiment, c'est au cœur de la forêt boréale. C'est vraiment un endroit magnifique. Et le Cégep de l'Abitibi forme des techniciens et des techniciennes dans quatre principaux domaines, administration, dans le secteur de l'humain, la biologie et la physique. Vous avez les huit programmes qui sont proposés actuellement sur notre plateforme. Ils en ont d'autres, mais nous, on propose cela parce qu'on sait qu'on a des besoins de main-d'œuvre dans ces programmes-là et que c'est vraiment important de pouvoir démarrer sur ces programmes-là.
Le Cégep accueille annuellement près de 2000 étudiants qui sont répartis dans trois campus. Si la région est donc réputée pour ses grands espaces, ses lacs et ses forêts, elle se démarque tout autant par son offre d'événements culturels et ses festivals. Sur le plan économique, la région vit des moments d'effervescence d'une rare intensité. On y trouve des emplois à profusion dans plusieurs secteurs d'activité. Je m'excuse, je vais boire un petit coup. Donc, choisir le Cégep de l'Abitibi, c'est vraiment recevoir une formation de qualité avec des enseignants disponibles qui ont à cœur votre réussite, logis dans des résidences étudiantes vraiment à proximité des salles de classe et à des prix abordables, trouver facilement, même très facilement, un stage ou un emploi et bénéficier d'un accompagnement personnalisé de la demande d'admission à l'installation. Donc ça, c'est un point positif supplémentaire de dire, à partir du moment où vous avez été admis dans l'établissement, l'établissement va être prendre en charge et vous aider tout au long de votre processus de demande de démarche d'immigration. Donc pensez à ces points, à comparer aussi les établissements. Certains établissements, vous allez le voir, proposent des fois la même formation. Allez regarder sur chaque établissement, c'est quoi les services qu'ils vous proposent, est-ce qu'il y a des activités sportives, est-ce qu'il y a des activités culturelles, est-ce qu'il y a des résidences dans l'établissement ou à proximité. Donc tous ces points-là sont importants pour vraiment bien choisir l'établissement et le programme d'études. On a le Cégep de Thetford Mines, qui offre plus de 19 programmes et profils d'études et qui accueille plus de 1000 étudiants et étudiantes, dont une centaine d'étudiants internationaux. Donc, encore une fois, vous voyez, nos établissements accueillent de nombreux étudiants internationaux, donc vous n'allez pas être tout seul. Avantage, c'est vraiment un climat chaleureux, quasi familial au Cégep de Thetford. Tous les enseignants, les enseignantes, mais toute l'équipe en place, parce que vous n'avez pas que les enseignants avec qui vous avez affaire, ont à cœur votre réussite et vous connaissent personnellement par votre prénom. Ça, c'est un petit plus aussi, même si au Québec, on a l'habitude de tutoyer et de faire en sorte que les gens se sentent bien, de savoir que dans un établissement de plus de 1000 personnes, on vous connaît par votre prénom, ça veut dire qu'il y a une vraie proximité. Ils ont plus de 15 ans d'expérience dans l'accueil des étudiants et des étudiantes internationaux. L'équipe va être capable de vous accompagner à toutes les étapes aussi de votre projet d'études. Et il y a vraiment de nombreuses ressources, outils ou initiatives qui sont mises sur pied spécialement pour la clientèle internationale afin de favoriser votre réussite et la qualité de l'expérience au Cégep. Sachez que les cours vraiment vont vous plonger dans le feu de l'action en alliant la théorie et la pratique sur une base continue. Les programmes sont constitués d'activités interactives et d'opportunités de mise en pratique de vos apprentissages. Il y a des laboratoires, des sorties sur le terrain, des stages. Puis le Cégep de Thetford a des activités sportives avec des équipes sportives de haut niveau et de multiples activités socioculturelles du Cégep. Donc vous allez pouvoir soit profiter de ces activités, soit vous impliquer activement dans la vie étudiante. Il y a vraiment des beaux espaces de vie pour les étudiantes et les étudiants. Voilà, c'est vraiment un beau Cégep. Dans une région centrale, on est à 3 quarts d'heure peut-être de la ville de Québec, 1 heure et demie de la ville de Montréal, donc pas très loin de la frontière américaine. Donc, une belle petite région qui doit être découverte. Le Cégep de Sherbrooke, maintenant, propose des programmes couvrant vraiment un large éventail de disciplines, de secteurs d'activité, avec des cours de formation générale, vivants et enrichissants, quel que soit le programme que vous allez choisir. Vous voyez, là, pareil, il y a 8 programmes, dont un en danse, pour ceux qui aimeraient se spécialiser en danse. Avec une équipe d'internationales qui est là pour vous, au Cégep de Sherbrooke, vous allez vraiment étudier dans un cadre humain, stimulant, où l'environnement vivant vous permet de jongler avec des activités sportives, culturelles ou en plein air. Vous vivez dans une ville qui fourmille d'idées étudiantes et innovantes. C'est vraiment une ville très étudiante, Sherbrooke, qui n'est pas très loin de Montréal, mais qui n'est pas très loin non plus de la frontière américaine. Vous allez pouvoir vous déplacer librement grâce aux transports en commun. Vous allez pouvoir faire des rencontres certainement inoubliables. Vous avez le sentiment de développer votre plein potentiel et de façonner la vie qui vous ressemble. J'espère que vous allez sentir que vous faites bon choix en allant au Cégep de Sherbrooke et que vous vivrez une expérience d'apprentissage enrichissante sur tous les plans. C'est la première ambition, en tout cas, du Cégep de Sherbrooke et de son équipe d'internationalisation pour vous. Donc, ça, c'était pour vous parler du Cégep de Sherbrooke. Et puis, le dernier, c'est le Cégep Limoilou, qui est un établissement d'enseignement supérieur situé dans la ville de Québec. C'est un établissement réputé qui offre des diplômes de technicien supérieur. La qualité est vraiment reconnue internationalement dans les domaines des technologies, de l'électronique, de l'informatique, des bâtiments et travaux publics.
de la gestion du tourisme et de l'hôtellerie. Alors là, vous voyez, il n'y a pas tous ces programmes-là. Et vous voyez, il y a des AEC, donc des attestations d'études collégiales. Pensez à ce que je vous ai dit tout à l'heure. Les AEC, c'est plus des formations courtes pour des gens qui peuvent être en reconversion ou qui sont un peu sortis des études ou qui sont encore dans les études, mais qui veulent reprendre sur une formation autre et qui amènent donc très rapidement vers le marché du travail. Les filières offertes offrent vraiment de très beaux taux d'insertion professionnelle, entre 85 et 100%. Pour les étudiants qui désireraient rester au Canada pour travailler, ils ont un service de placement pour vous aider à ce sujet-là. C'est un chef de file en matière d'alternance travail-études et de parcours formation-emploi. C'est-à-dire que ça va vous permettre, ces formations qui sont en double cursus, je vais dire, vous permettre d'acquérir jusqu'à 6 mois d'expérience de travail rémunérée durant vos études. Donc ça, c'est vraiment un plus de pouvoir travailler pendant ces études. On a plus de 500 étudiants internationaux qui sont issus d'immigration qui choisissent l'établissement, le Cégep de Limoilou chaque année. Ils apprécient vraiment le côté chaleureux, humain et accueillant de la communauté collégiale. Voilà, à vous de saisir l'opportunité unique d'étudier en français dans l'une des plus belles villes d'Amérique et de peut-être faire le choix de vous y établir par la suite. Le Cégep de Limoilou. Donc, je vous ai présenté les quatre établissements collégiaux que vous avez sur notre plateforme. Vous allez voir que si vous vous mettez sur un autre niveau, vous aurez d'autres établissements qui sont proposés au niveau universitaire, mais en deuxième et troisième cycle. Ça fait partie d'un autre projet qu'on accompagne également, mais sur lequel on a fait une séance d'information le 1er octobre. Donc, c'est pour ça que je ne parle pas de ces établissements-là sur ce webinaire-là. Mais en tout cas, en allant sur notre plateforme, après avoir créé votre compte, vous allez pouvoir avoir accès à tous les niveaux d'études. Et aujourd'hui, on n'a pas de niveau d'études professionnelles, mais il pourrait très bien que la semaine prochaine, il y ait des nouveaux programmes qui rentrent, donc n'hésitez pas à aller régulièrement sur notre plateforme pour justement pouvoir vous rendre compte des nouveaux programmes qui sont mis en ligne et puis s'il y a des nouveaux domaines d'études qui peuvent vous intéresser ou niveaux d'études qui peuvent être intéressants. Donc, c'est de ça dont je vais vous parler, c'est la plateforme. Donc, mon compte Québec en tête. Donc, si vous allez sur Québec en tête, déjà, vous allez pouvoir trouver les informations sur les différents programmes qu'on a actuellement de formation. Là, je pense que vous devez voir mon écran. Je vais essayer de retrouver là. Voilà. Donc là, vous avez accès à toutes les de niveau collégial. Vous voyez, on a 32 programmes d'études actuellement présentés. Ces programmes que je vous ai présentés, si je mets les universitaires, vous allez pouvoir avoir tous les programmes qui sont présentés au fur et à mesure. Oups, pardon. J'ai perdu ma page. Qui sont présentés. Donc, vous voyez des maîtrises, des doctorats avec tous les programmes d'études. Donc, on va rester sur le niveau d'études collégiales parce que c'est celui qui nous intéresse. Si je vais sur le DEC technique de pharmacie, qui est le premier qui est présenté, vous allez avoir toutes les informations sur l'établissement lui-même. Vous allez pouvoir aller regarder sur la page de l'établissement en quoi ça concerne, où il est situé, aller sur son site web si vous le souhaitez, regarder des vidéos sur l'établissement en lui-même, etc. Voir tous les programmes qu'il propose. Vous allez avoir un peu plus d'explications sur le sommaire du programme en l'occurrence. Qu'est-ce que ça va vous faire faire? Avoir accès au programme en lui-même sur le site de l'établissement, les droits de scolarité, les exigences qu'il vous faut, combien d'années de quel âge, combien d'années d'études, le niveau de français, est-ce qu'il y a des préalables en physique, en maths, en sciences nat, bref, tout ce que vous pourrez avoir besoin de prouver à l'établissement et vers quoi ça vous emmène, quel débouché professionnel. Une fois que vous avez choisi votre profil ou le programme, vous allez pouvoir envoyer votre profil. Ça veut dire que là, il va falloir que vous créiez votre profil. Il va falloir que vous disiez que vous pouvez être disponible pour un entretien. Petite précision, sachez que les établissements ne sont pas obligés de faire des entretiens. Ça dépend de chaque établissement. Certains vont vouloir vous inviter à un entretien. D'autres vont vouloir valider que par vous inviter à une séance d'information en groupe. D'autres vont vous envoyer un courriel directement. Donc, et puis ça peut se faire au fur et à mesure, mais il y en a qui vont le faire plus au mois de décembre, d'autres qui vont le faire plus au fur et à mesure que les candidatures vont rentrer. Donc, ne soyez pas inquiets par rapport à ça. OK?
Donc, il va falloir que vous mettiez que vous êtes disponible et il va falloir que vous complétez votre profil, OK? Ou que vous le créiez si vous n'avez pas créé de profil. Donc là, quand vous allez créer votre profil, on va vous demander tout un tas d'informations sur vous. Il faut que vous complétiez à 100% votre profil pour pouvoir postuler sur ce programme d'études. Là, j'imagine que, voilà, on va voir mon projet à moi. Mon programme à moi, donc je vais mettre que je suis avancée en informatique parce que je pense que c'est ce qui manquait. Je vais pouvoir le mettre à jour, mon profil. Voilà. Et là, je vais mettre quel choix de programme et puis je vais envoyer mon programme. Pour créer votre profil, on a une formation qui existe qu'on peut vous faire parvenir. Donc, il suffit de nous écrire à info@quebecentête.com si vous avez des enjeux pour créer votre profil sur mon compte quebecentête.com. Je vais vous le marquer dans le chat pour que vous puissiez vraiment être à l'aise là-dessus et que vous puissiez nous poser des questions. Donc, c'est vraiment mon compte quebecentête.com. Donc, n'hésitez pas à aller. Puis, comme dit, si vous avez des informations ou des questions par rapport à ça, dites-nous-le info@quebecentête.com, info@quebecentête.com. On répondra à vos interrogations. On vous enverra la formation pour pouvoir créer votre profil. Vous allez juste rentrer votre courriel, votre adresse courriel personnelle, un mot de passe et vous allez recevoir un courriel pour activer votre compte et ensuite créer votre profil et répondre à toutes les questions. Ce qui est vraiment important dans votre profil, ça va être d'expliquer votre motivation. Là, moi, par exemple, je vais là. On va vous demander plus d'informations. L'objectif, c'est de pouvoir expliquer pourquoi vous êtes intéressé par ce projet d'étude. J'imagine que là, il faut que j'aille modifier certaines informations peut-être pour moi, pour pouvoir dire, voilà mon projet de mobilité. Comme j'habite au Canada, j'ai pas besoin. Je vais mettre Albany, par exemple. Et là, je vais devoir expliquer mon projet de mobilité. Pourquoi je veux venir étudier? Pourquoi dans ce programme d'études spécifiquement? Et si j'ai postulé dans un établissement spécifiquement, ben pourquoi cet établissement-là ou cette ville-là, pardon, m'intéresse? Donc n'hésitez pas à être vraiment précis dans votre explication, parce que souvent on a des gens qui postulent dans plein de programmes ou qui postulent pour être travailleur et pour être étudiant. Ben on trouve que ça fait moins sérieux parce qu'on se dit ces gens-là, ils veulent un moyen pour venir immigrer au Québec. Nous, notre objectif, c'est de trouver le bon étudiant pour correspondre aux demandes de l'établissement et à ses critères, et pas d'avoir un étudiant qui veut à tout prix venir au Québec par le biais des études, parce que ce n'est pas notre objectif aujourd'hui. Si l'établissement, donc une fois que vous aurez postulé, l'établissement va trier un certain nombre de candidatures, les candidatures qu'il va recevoir, une fois que vous aurez envoyé votre profil. Il va, une fois qu'il aura trié ses candidatures, soit vous inviter, comme je vous l'ai dit, à un entretien, soit personnalisé, soit vous inviter à un webinaire, soit vous envoyer un courriel. Il n'y a aucune manière sûre de la façon dont les établissements vont vous répondre. Ça va vraiment dépendre de chaque établissement qui va choisir la manière de discuter avec vous. Donc, voilà un petit peu notre plateforme. Encore une fois, n'hésitez pas, si vous avez des questions, sur moncompte.quebecentête.com, vous avez aussi un petit onglet aide pour aller voir si vous avez des enjeux, mais allez regarder, allez fouiller les différents programmes qui existent et puis allez-y régulièrement parce que, c'est sûr que, y a des nouveaux programmes qui rentrent toutes les semaines. Donc, il se peut qu'il y ait des nouveaux programmes. Puis, allez sur votre profil aussi. En allant sur votre profil, vous allez pouvoir, remarquer si votre statut a évolué ou s'il est toujours en analyse. Et les établissements ont jusqu'à début janvier pour analyser vos profils. Donc, pas d'inquiétude à ce sujet-là. Sachez que le fait que vous ayez envoyé votre profil à l'établissement, ce n'est pas une demande d'admission. Okay? Ça permet à l'établissement de préqualifier, de sélectionner les candidats qui correspondent à son profil et au préalable demandé par l'établissement pour tel et tel programme. Le dépôt, donc, c'est gratuit. Vous avez vu, il y a juste à remplir un formulaire. Mais après, vous serez mis directement en relation avec l'établissement qui va prendre contact avec vous et c'est lui qui va gérer si vous avez des frais de demande d'admission ou des demandes d'admission spécifiques à faire. C'est lui qui va gérer tout ça en direct avec vous. OK? Mais nous, tout est gratuit. Et encore une fois, ce n'est pas une demande d'admission. C'est l'établissement par la suite qui va vous faire, qui va vous donner les informations si vous souhaitez continuer.
Donc, sachez qu'on a plusieurs initiatives de recrutement d'étudiants. Vous soyez dans le monde où vous soyez, vous allez pouvoir venir réaliser votre projet d'études au Québec. Soyez honnête dans les réponses que vous donnez sur le formulaire que vous avez rempli. C'est sûr qu'au Québec, on va accueillir les étudiants étrangers à bras ouverts, même si vous entendez certainement parler de mesures actuellement pour réduire le nombre d'étudiants internationaux. Mais on accueille toujours des francophones, des personnes qui parlent le français. Qui veulent venir étudier en région dans des programmes, encore une fois, d'études où on a des besoins spécifiques en main-d'œuvre. Sachez que le Québec est une province accueillante, familiale, sécuritaire. Donc, n'hésitez pas, encore une fois, à aller vous renseigner sur nos prochaines initiatives de recrutement sur québecentête.com et à créer votre profil sur mon compte québecentête.com en remplissant vraiment votre profil étudiant, en répondant à toutes les questions. Et en motivant vraiment en expliquant votre motivation pour venir étudier ici. Quelques petites précisions additionnelles par rapport à ça, c'est vraiment pas obligatoire d'être en démarche d'immigration vers le Canada pour participer à nos initiatives. C'est pas nécessaire non plus d'être représenté par un agent d'immigration ou par un autre intermédiaire pour vos démarches en immigration. Encore une fois, l'établissement, une fois qu'il aura validé votre profil, qui correspondra à ses critères, il va prendre contact avec vous et il va vous expliquer les prochaines démarches, les prochaines étapes pour votre processus d'immigration. Et la participation à nos initiatives est complètement gratuite. Donc, encore une fois, si vous voyez Québec en tête, Québec international avec, il faut que vous payiez 250 $, 500 $, 1 000 $, fuyez, ce n'est pas nous. OK? Donc, soyez très attentifs à ça. Il y a quand même beaucoup d'agences qui, sous prétexte de vous faire venir au Québec ou au Canada, vous font payer des sous. Or, vous avez, il y a aucune agence n'est nécessaire pour venir étudier ou faire des démarches d'immigration ici au Canada. Et puis, une fois que vous êtes arrivé sur place, vous n'êtes pas seul. On organise encore une fois des séances d'information, des activités de maillage et de réseautage professionnel. Sachez que même avant que vous veniez, encore une fois, on a des séances d'information avec les différents établissements qui sont présents là, que je vous ai présentés, qui vont faire expliquer un petit peu plus précisément leur cégep ou sur certains domaines d'études où on va aller plus précisément pour expliquer un petit peu comment ça se passe. Donc, pensez à nous si vous avez des besoins, des questions spécifiques. On va toujours être présent pour vous répondre. Je termine par une magnifique image de la ville de Québec. J'avoue que je n'ai pas pu m'en empêcher, même si j'ai des établissements d'ailleurs dans le Québec qui participent à notre initiative. Parce que je trouve que c'est très représentatif avec de l'urbain, mais aussi des parcs et de la nature, le fleuve au milieu, l'île d'Orléans derrière. Donc, j'espère que ça vous donne envie de venir vous installer ou d'étudier ici au Québec. Je vous souhaite un très bon succès dans vos démarches d'immigration, dans vos démarches de recherche de programmes d'études et d'établissements qui correspondent à vous, à votre famille, à vos besoins et à vos envies. Parce que c'est un vrai long processus, c'est un vrai choc culturel quand on arrive, quelle que soit notre culture. Donc, il faut se préparer et ça prend du temps de se préparer pour ce genre de démarche. Donc, n'hésitez pas à prendre le temps et à bien préparer votre projet parce que c'est gage de réussite quand on le prépare et qu'on met du temps à venir et à faire toutes ces démarches. Donc, n'hésitez pas à nous écrire. Voyez, encore une autre adresse, contact@québecentête.com, contact@québecentête.com. Visitez notre site internet québecentête.com aussi. Vous pouvez aller créer votre profil sur mon compte Québec en tête. Et puis encore une fois, je suis à votre disposition. Si vous nous écrivez, c'est une de mes collègues ou moi qui vous répondrons. On sera un plaisir de répondre à toutes vos questions à ce moment-là. Mais en tout cas, je vous souhaite une très très belle fin de journée pour vous ou après-midi pour ceux qui sont de notre côté de l'Atlantique. Et puis j'espère vous voir très prochainement ici au Québec pour venir nous aider, nous soutenir et soutenir nos établissements d'enseignement et venir étudier dans des établissements de haute qualité, de haute pointe. Donc merci beaucoup, une très belle fin de journée à vous tous et à très bientôt. Merci. Au revoir.